Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence et nous allons prier pour la parole ce matin. Car nous croyons que nous sommes là pour qu'une parole, la parole de Dieu vienne à nous et qu'elle nous parle. Alléluia. Prions pour cette parole. Merci Seigneur Dieu. Merci pour ta parole ce matin qui nous fait du bien. Tu nous permets de la recevoir exactement comme tu veux qu'elle soit transmise au nom de Jésus et qu'elle fasse du bien à ton peuple et qu'elle rapproche de toi. Papa, donne-moi de l'enseigner avec humilité, amour et simplicité afin que toi seul tu sois glorifié. Et que rien de moi ne soit dans cette parole, que tout de toi soit dedans. Au nom de Jésus, amène la parole comme tu veux. Remplis-la de paroles de connaissance, de paroles de sagesse et de paroles de puissance. Au nom de Jésus, merci encore Seigneur Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons certainement peut-être, on ne va pas terminer le kit. On est sur notre série d'enseignement, le kit du faux prophète. On ne va pas le terminer, mais si plaît à Dieu, je reviendrai dessus. Aujourd'hui, on verra trois éléments du kit. On va dire trois outils du kit. Alléluia. On va le voir et je pense que, pas trois, on verra quatre plutôt. Ça va nous faire du bien. Donc pour gagner du temps, je ne vais pas trop revenir sur ce qu'on a déjà vu. Ce que vous devez comprendre en introduction, Jésus lui-même nous a avertis contre les faux prophètes. Jésus lui-même nous a dit qu'il aura des faux prophètes dans les derniers temps. Il faille que nous puissions veiller. Que nous puissions faire attention à cela au nom de Jésus. Parce que les faux prophètes amèneront plusieurs en enfer, vont égarer énormément de personnes. Et nous ne devons pas négliger leur existence. Et nous devons, nous en tant qu'hommes de Dieu, non seulement veiller à ne pas faire partie d'eux, et surtout à enseigner le peuple de Dieu à ce sujet, afin qu'ils puissent veiller. Le kit du faux prophète rassemble l'ensemble des outils qu'ils utilisent pour dépouiller, pour détruire, pour briser. Parce que leur serviteur, le diable, ne vient que pour détruire, il ne vient rien apporter de plus. Pour détruire, pour manipuler, pour exploiter. Et nous avons déjà vu trois outils du kit. On a vu le bâtir un autel à l'Éternel. On a compris que bâtir un autel à l'Éternel n'était plus d'actualité. Parce que cela relève de la loi. Et lorsqu'on parle d'autel, il faut parler de sacrifices et de sang. Le peuple juif, au temps où ils bâtissaient l'autel, ils avaient déjà de l'argent. Il y avait déjà de l'argent qui existait. Alléluia. On n'a vu nulle part un de prendre de l'argent pour venir bâtir un hôtel à l'Éternel. Alléluia. Cette tendance qui est venue de nos jours, c'est but dans le but d'exploiter. Dieu nous a avertis contre un autre Dieu qui va prendre beaucoup de place dans l'église. Et cet autre Dieu, c'est Mammon. Mammon, c'est l'amour de l'argent. Alléluia. Mammon, c'est l'amour de l'argent. Excusez-moi. Mammon, c'est l'amour de l'argent. Et nous voyons aujourd'hui que beaucoup de nos églises, de nos programmes, de plein de choses qu'on fait pour le Seigneur, ont l'argent au centre. Des églises où on fait tellement d'offrandes, on parle tellement d'argent, et on ne se rend même pas compte qu'on est en train de célébrer et adorer un autre Dieu, et non pas Dieu, le Dieu véritable, qui n'a aucun intérêt pour l'argent, qui veut que nos cœurs soient bâtis à l'image de son Fils, dont nous devons bâtir plutôt Christ dans nos vies. Et c'est là notre priorité, et non pas de bâtir des hôtels. Et j'ai précisé que l'église du Seigneur n'est pas un casino. On ne vient pas bâtir des hôtels pour pouvoir avoir plus. Ceux qui ont ces esprits-là n'ont rien compris du tout de la parole de Dieu. On ne vient pas s'enrichir à l'église, on vient chercher Dieu. J'ai envie de répéter cette phrase-là. On ne vient pas s'enrichir à l'église, on vient chercher Dieu. On vient chercher son Fils pour notre salut. Alléluia. J'ai parlé aussi du deuxième outil, tisser une alliance avec l'Éternel. Tout cela se relève de la loi. Et quand vous regardez, c'est vrai qu'il y a des personnes qui tissaient des alliances avec Dieu. Mais dans la loi, c'est Dieu plus qui tissait des alliances avec nous. Si Dieu n'a pas tissé une alliance avec toi, toi tu n'as pas la capacité de tisser une alliance avec lui. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a validé toute alliance. Et faisons attention. Et encore dans cette alliance, encore, on parle encore de pouvoir, comment on appelle ça? Donner une enveloppe financière. Tout se résume à l'argent. Tout. Tu veux une délivrance, l'argent. Tu veux réussir, l'argent. Tu veux aller quelque part, l'argent. Tu veux la protection, l'argent. Tu veux la stabilité, ton foyer, l'argent. Tu veux te marier, l'argent. Quel Dieu on finit par adorer?
Dieu ne s'est pas comparé à aucun Dieu dans la Bible si ce n'est que maman. Alléluia. Où il a dit, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Et je pense que cette parole était d'abord adressée aux serviteurs de Dieu, qui sont au service de Dieu. Et on a vu le troisième élément qui touche toujours l'argent, c'est l'offrande d'amour au Père. Cette histoire de donner toujours beaucoup d'argent aux pasteurs, ce n'est pas mauvais quand ils sont dans le besoin. Quand vous lisez la loi, on prenait soin des pasteurs qui n'avaient pas les moyens parce qu'ils étaient complètement consacrés à l'œuvre. Mais nos pasteurs d'aujourd'hui sont des milliardaires. Ils ont des business. Ce sont des gens dans l'immobilier. Ils sont très riches. Et nos petites miettes, nous leur donnons pour les rendre encore davantage riches. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu pour recevoir, il est venu pour donner. Un homme de Dieu ne doit pas se mettre dans une disposition de réception, mais de donner, même donner ce qu'il a financièrement. Et une chose qui est interdite dans la parole de Dieu, un homme de Dieu ne doit jamais demander. Jamais demander de l'argent à quiconque. S'il le fait, passe pour son intégrité, sa dignité. Ça doit être peut-être vraiment dans le besoin, il est coincé, il peut le faire. Mais il y a des âmes qui ont une certaine maturité. Pas à tout le monde. Il y a des âmes qui comprennent qu'il est dans le besoin, je peux l'aider. Mais pas une âme qui vient à peine de se convertir. Comme elle a des moyens, tu lui parles d'argent. Mais qu'est-ce que tu pourras lui dire pour sa conversion? Et un homme de Dieu ne doit rien demander pour le service qu'il rend à quelqu'un dans le spirituel. La Bible a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc nous n'avons rien à demander pour prier pour quelqu'un, pour aller consacrer la maison de quelqu'un, pour aller prier pour la délivrance de quelqu'un, ni pour le mariage de personne. Nous n'avons rien à demander. Alléluia. Nous devons seulement donner parce que tout ce que nous avons, seul Dieu nous l'a donné. Dans l'offrande d'amour au Père, nous aimons la même manière d'aimer une personne. C'est d'abord de pouvoir lui obéir. Alléluia. Marcher selon les recommandations qu'il nous donne. Prier pour cette personne. Et si cette personne est dans le besoin, oui, soutenez-la. Soutenez-la vraiment. Parce que c'est dangereux pour le peuple de Dieu que celui qui vous enseigne la parole soit dans les difficultés. C'est pas bon. C'est pour ça que le peuple de Dieu doit être à l'écoute des pasteurs qui sont dans le besoin. Mais ceux qui ont déjà reçu, vous les laissez, ils vont se débrouiller parce qu'ils sont déjà extrêmement riches. Vous n'allez pas les rendre riches encore plus que ça. Le jeune riche, Jésus a dit, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et suis-moi. Ce n'est pas à ses serviteurs qu'il ne dira pas ça. Jésus, quand il viendra, ceux qui mettra dans son royaume, c'est ceux-là qui auront été ceux qui sont dans le besoin. Tout ce que tu donnes à quelqu'un qui n'est pas dans le besoin est zéro devant le Seigneur. Parce que ce qui parle au ciel, c'est les aumônes. L'aumône, c'est lorsque tu donnes à quelqu'un qui en a besoin. Donc, faisons l'équilibre. Les hommes de Dieu qui sont extrêmement riches, laissez-les évoluer dans leurs richesses. Prenez le peu que vous avez, occupez-vous de vos familles. Si vous en avez assez, occupez-vous de ceux qui sont dans le besoin. Pendant que l'homme de Dieu est en train d'être très riche, il y a ton voisin dans l'église qui n'a pas mangé pendant un jour. Et Dieu a très mal. Parce que chez ton pasteur, la nourriture est bondée dans le frigo, dans le congélateur, et jetée tout le temps par ses enfants dans la poubelle. Et ça, c'est dangereux. Ayez le cœur du Seigneur. Alléluia. Mais tout cela, on le fait parce qu'on cherche une bénédiction. Je précise que l'église n'est pas un casino. Alléluia. On vient à l'église pour donner parce qu'on aime Dieu. Même quand on donne à un homme de Dieu, c'est par amour pour Dieu. D'abord, aujourd'hui, nous allons voir quatre autres outils du kit. Le quatrième, c'est le prophétique qui ne prophétise que les bonnes choses. Le prophétique qui ne prophétise que les bonnes choses. Avant, au temps de la loi, c'est au travers des prophètes que le peuple de Dieu pouvait consulter la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Alléluia. Pouvait consulter ce que Dieu pense d'eux, afin de savoir plus orienter. Nous savons qu'un peuple qui n'est pas conduit par un prophète ou des prophètes, c'est un peuple qui va aller se casser le visage. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église aujourd'hui. On a plus de prophètes qu'avant, mais on a très peu de pensées de Dieu libérées. On a très peu de pensées de Dieu données. Nos prophètes d'aujourd'hui prophétisent que ce que les gens veulent entendre. Ils prophétisent seulement ce qui est bon, ce qui flatte, ce qui va pousser les chrétiens à donner de l'argent, ce qui va pousser, va les permettre de remplir leur salle et de faire grandir leur ministère. C'est dommage. Car Dieu a tellement de choses à nous partager. Et il cherche des personnes, des prophètes pour nous les transmettre. Dans nos assemblées, il faut tous les ministères. Il faut des prophètes pour nous orienter, pour nous permettre de comprendre.
pour susciter la crainte de Dieu, parce que Dieu passait au travers de ses prophètes pour exposer les œuvres sales, les œuvres sombres de son peuple, afin qu'ils aient la crainte. Parce qu'il ne peut pas s'adresser à nous directement. Il a des personnes qu'il a habilitées pour cela. Dieu a tant de choses à nous dire, mais il ne trouve pas des personnes. La parole de Dieu nous dit en Amos 3:7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu révèle aux prophètes. Mais quand les prophètes citent ce passage-là, c'est pour encore manipuler, pas pour transmettre la pensée de Dieu. Et ça, c'est dangereux. La Bible nous provient par rapport aux faux prophètes en 2 Timothée 4:3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, fais l'œuvre d'un évangéliste pour dire, continue à annoncer l'évangile, remplis bien ton ministère. Aujourd'hui, que prophétisent nos serviteurs, les prophètes? En général, rien de ce qui vient de Dieu. Rien. La couleur de caleçon des gens, les dates de naissance, le nom de leur village, le nom de leur femme, le nom de leur patron, le nom de leur quartier. Ils arrivent même à te dire comment ta maison est décorée. Que j'ai fait une visite astrale dans ta maison. Le nombre d'enfants. La date à laquelle tu es né. Qu'est-ce que tu as mangé avant d'arriver ici? Mais Dieu va foutre quoi avec tout ça? Il va faire quoi avec tout ça? Qu'est-ce que nous on a à faire avec ces informations? Un prophète ne vient pas te dire ce que tu sais. Il vient te dire ce que Dieu veut te révéler. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu impudique pour te donner la couleur de ton caleçon. Prenons l'histoire du prophète Michée. On l'a lu récemment dans nos médités ensemble de l'église. Deux rois voulaient aller attaquer le roi d'Assyrie, le roi d'Israël, le roi de Juda. Juda, c'était Josaphat, et puis le roi d'Israël. Ils voulaient attaquer la Syrie. Ils avaient besoin d'un go de Dieu. Ils ont rassemblé tous les prophètes pour dire, dites ce qu'on va faire. Et les prophètes rassemblés ont dit, allez-y, montez. En 1 Roi 2, 22. Monte, et le Seigneur va livrer tes ennemis en tes mains. Le roi d'Israël dit, ça là, c'est bizarre. Un des rois dit, c'est bizarre. Est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Parce que ceux-là, de toute façon, ils ont parlé là, je ne suis pas très convaincu. Ce n'est pas un jeu. Tu me dis d'aller en guerre. Si tu as mal prophétisé, c'est ma vie qui est en jeu. Dans ça, il faut que je sois sûr. Donc, allez me chercher un autre prophète. Le roi de Josaphat demande au roi d'Israël. Il dit, je connais un. Un prophète, il s'appelle Michée. Amen. Il s'appelle Michée. Et il dit, ce prophète-là, au verset 14, il ne dit rien de bon. Lui, quand il ouvre la bouche seulement là, c'est pour nous frapper seulement. Donc, on envoie chercher Michée. Et qu'est-ce que Michée dit lorsqu'on va le chercher? Au verset 14, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Voilà ce qu'un prophète doit faire, ce que Dieu a dit. Si Dieu n'a pas dit, ferme ta bouche. C'est quels prophètes qui ont toujours des paroles de Dieu sur tout le monde? Et vous êtes là-bas, avec les mains levées au ciel. Prophète, prophétise. Quelle bêteté. Localise-moi. Mais on jette Dieu depuis son trône, on l'enlève à sa place, on le fait asseoir. Parce qu'une personne qui a toujours tout à dire sur tout le monde, il est Dieu. Parce que c'est Dieu qui sait tout sur nous tous. Alléluia. Localise-moi. On lève tellement la main. On commence à faire les parler en langue bizarre pour attirer son attention. Comme lui, il aime les manifestations. Donc, il va aller vers toi pour parler n'importe quoi. Sauf que, comme j'ai dit, le roi d'Israël dit, il ne prophétise rien de bon. Car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée de Jimla. Et Joseph a dit, que le roi ne parle pas ainsi. Ils sont allés chercher Michée. Donc, on l'a conditionné. Michée a dit, toi là, tu n'as pas dit que tu aimes toujours parler mal. Va là, il faut dire de bonnes choses.
Il est venu aussi, il a dit, allez-y, ça va marcher, vous allez avoir la victoire. Ah, cette affaire-là, c'est ma vie qui est en jeu. Parce qu'avant, ce n'est pas comme nos présidents d'aujourd'hui qui sont assis, qui grossissent. Quand il y a la guerre, le président aussi doit être dans la guerre. Avant, c'était comme ça. Les rois ne s'asseyaient pas dans leur royauté chez eux pour faire la guerre. Ils allaient aussi au front. Ils allaient au front, ils étaient parmi les soldats. C'est ce qui montrait qu'il était roi, il devait être vaillant et puissant. Il a dit, cette affaire-là, si la prophétie-là n'est pas bonne, on est mal barré nous deux. Donc, il faut que c'est rassuré. Donc, il a su que le gars mentait, il a insisté. Quand Michel a commencé à prophétiser, ah, il n'a pas prophétisé quelque chose de bon. Il a dit, vous allez partir, tel va mourir. Alléluia. Il a été authentique. Aujourd'hui, nos prophètes prophétisent tout ce qui est agréable. Bien, bon. S'ils ont trop prêché les choses un peu, des trucs effrayants, pour que tu t'accroches à eux, que tu fasses une offrande. Voilà ça, ce qu'ils vont te dire. Ils ne vont rien prêcher de bien. Ils vendent la consultation prophétique et le scanner payant. Ils font des grandes affiches pour dire soirée prophétique. Tout est maintenant prophétique. Chant prophétique. Danse prophétique. Robe prophétique. Tout est prophétique. Comme si le mot prophétique veut dire autre chose. Je me rappelle dans le début de notre foi, quand vous avez un prophète parmi votre groupe de prière, avant d'arriver à vous examiner, quand le prophète commence à être saisi par l'esprit, ça commence à se répandre dans le cœur. Seigneur, pardonne-moi, ne m'expose pas. Mais aujourd'hui, dès que le prophète est saisi, localise-moi. Avant, c'est caché. Il ne faut même pas que la personne qui est saisie par l'esprit te voit. On se cachait même, tu priais même. Tu dis, Seigneur, hier là, ce que j'ai fait là, c'est pas bon, pardon. Mais aujourd'hui, quand un prophète est saisi, le peuple de Dieu est en joie. Parce que les prophéties qui ne prophétisent que du bon ne sont pas de Dieu. Les prophètes qui ne prophétisent que des bons n'est pas de Dieu. Toujours c'est vous qui devez voyager. Mais le voyage de l'éternité, là, ça ne vous intéresse pas. Ça, c'est un outil qui utilise les faux prophètes. N'allez mettez plus jamais vos pieds dans ce genre de programme prophétique de je ne sais pas de quoi. On ne fait pas la publicité des choses sacrées de Dieu. Alléluia. Quand un prophète est saisi, il est saisi. Il va prêcher pour t'amener vers Dieu. Alléluia. Ça, c'est un outil 4. Les prophéties, le prophétique ne prophétise que du bon. Ça, c'est en vogue actuellement dans la vie et le ministère de plusieurs faux prophètes. 5. Le miraculeux qui ne conduit pas à la repentance. Le miraculeux qui ne conduit pas à la repentance. Le véritable et le principal message de la croix, c'est Matthieu 3:2. Matthieu 3:2. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est le principal message de l'évangile. C'est le socle. Répentez-vous, car le royaume de Dieu des cieux est proche. Les faux prophètes vont mettre tellement l'accent sur le miraculeux. Mais un miraculeux qui ne change rien dans vos vies. Qui ne amène pas les gens, le pécheur, à la repentance. Un miraculeux qui ne conduit pas à la repentance, qui crée encore davantage de chrétiens charnels. Un miraculeux qui ne te permet pas de te laver, de laver ta robe. Les gens tombent dans les églises, mais ils sont pareils. Les gens expérimentent des choses extraordinaires, mais rien de spécial se passe dans leur cœur. À quoi sert alors un miraculeux s'il ne change pas ma vie? Les miracles étaient pour la repentance. Quand Jésus faisait les miracles, c'était pour que les gens puissent se repentir. Parce que ceux qu'il délivrait donnaient leur vie à Jésus, à Christ. Mais le miraculeux ne sert à rien. Des choses extraordinaires qui gardent toujours les gens dans leur même saleté. C'est une action, un outil des faux prophètes. Si le miraculeux ne te change pas, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Que me sert-il de gagner le monde si je perds mon âme?
à rien. Même si tu as une femme stérile qui accouche et puis elle part en enfer avec son bébé, ça ne sert à rien. Les gens ont mis tellement l'accent sur la démonstration en griffe de puissance, mais ce n'est pas la puissance de Dieu qui démontre. Parce que la vraie puissance de Dieu transforme le cœur. Celle qui est de Dieu transforme nos vies. Une puissance qui te laisse toujours dans la saleté, ce n'est pas de Dieu, c'est le diable. Parce que quand Jésus faisait du miraculeux, les âmes se convertissaient. Ils venaient à la repentance. Mais on fait des miraculeux dans l'église, des histoires, des choses extraordinaires. Mais les gens sont toujours embourbés dans le péché. C'est quel miraculeux? Vous devez comprendre que nous ne devons pas être friands des miracles. Mais nous devons être friands et attachés à la repentance. Parce que le miraculeux ne sauve pas. Prenez l'histoire des 10 lépreux. Ils sont venus tous à lépreux. Quand Jésus les a guéris, il a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Ils sont partis, mais un est revenu. Qu'est-ce que Jésus a dit celui qui est revenu? Luc 17, 17. Jésus prenant la parole dit, les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Luc 17, 17. Et les 9 autres, où sont-ils? Et Dieu, verset 18, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et après il a dit à celui qui a été guéri, verset 19, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les 9 autres ne sont pas sauvés. Ils ont été libérés de la lèpre, mais ils iront en enfer. Mais le seul qui est revenu, qui s'est repenti, qui a compris que c'est vrai qu'il m'a guéri, mais il faut que je lui donne ma vie, c'est celui-là qui a été sauvé. Ce n'est pas un message seulement pour la reconnaissance envers Dieu. C'est un message pour nous prouver que le miraculeux ne peut pas nous amener au ciel. C'est un plus de l'action de Christ dans nos vies. Mais le but de Dieu, c'est que nous nous répandions. Alléluia. La parole de Dieu dit à 1 Corinthiens 1:22, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Jésus qui est crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Nous, c'est Jésus qui nous intéresse. Ce n'est pas les miracles. La sagesse, c'est tout ce qui est développé en personne. Les messages, on dit profondeur, message profond, quoi. Là. Les démonstrations, quand un homme de Dieu se met et puis te parle, ah là c'est profond, ça c'est la sagesse. D'autres veulent les miracles, la démonstration. Il y a des hommes de Dieu qui ne prêchent pas grand chose, mais ils font des miracles extraordinaires. Mais il y a d'autres, ils ne font pas beaucoup de miracles, mais ils sont là pour la profondeur de la parole. Mais nous, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Ça va seulement impressionner les gens qui ont soif de Christ. Tu ne peux pas être impressionné par Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié si tu n'as pas soif de lui. On prêche quelque chose de simple, mais qui va te permettre de rentrer dans quelque chose de plus glorieux pour l'éternité. Ne cherchez pas les miracles, ne cherchez pas la sagesse. Cherchez Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Vous verrez rarement des ministères de faux prophètes sans miracles. Parce que là où il n'y a pas de miracle, les gens ne viennent pas. La preuve à Abba-Shalom. On va dire, ouais, ce ministère-là, l'homme n'est pas onctionné. L'onction, là, c'est devenu quoi pour vous, en fait? Vous savez ce qu'est le véritable onction? L'onction change l'état de cœur des gens. Véritable onction transforme une personne à un ancien, son vieil homme devient une nouvelle créature. C'est ça, la vraie onction. Tous ceux qui se connectent à ce ministère-là sont transformés. Mais vous avez des ministères d'onctionnés graves et puis les pécheurs qui sont remplis dans vos églises. Et vous dites que vous avez l'onction. Faites attention. Ils utilisent les miracles, pas pour délivrer les captifs, mais pour remplir leur ministère et accroître leur notoriété. Et en plus, quel type de miracle? Beaucoup de miracles fabriqués de nos jours. Beaucoup de miracles fabriqués. J'ai un de mes amis pasteurs, prophète, lui il est authentique. Il m'a dit, le pasteur Ngota, le prophète Ngota, vous le connaissez. Il m'a dit, il a prié pour un jeune homme qui s'est repenti. Le jeune homme lui a dit, ah moi il faut que je t'exprime ma situation. Il m'a dit, papa, comme tu me vois là, je suis un acteur dans les églises. Ça il me l'a dit il n'y a même pas longtemps, je crois que ça fait 2 ans. Je suis acteur dans les églises. On me paye pour venir simuler des miracles. Pour jouer des rôles. Il y a cette dame là aussi qui a la main qui rentre, qui sort. Elle a eu cette déformation. Mais regarde comment on l'a attrapée. On l'a filmée dans plusieurs programmes.
Donc toi, ta main là sort, ça ne reste pas. Ça doit toujours rentrer pour qu'un autre prophète te délivre. Mais en fait, elle se faisait de l'argent. Miracle fabriqué. Miracle fabriqué. Je ne vais pas parler plus sur ça, mais nous-mêmes, on sait. Miracle fabriqué et parfois des miracles mystiques. Je vous ai dit, le véritable miracle de Dieu transforme le cœur. De feu étranger. Cet homme de Dieu qui t'impose la main là, tu sais où il allait prendre son miracle. Ne laissez pas n'importe qui toucher vos têtes. Des fois, les démons là, c'est dans ces églises là que vous les prenez. Je me rappelle de cette soeur là qui a pris un feu étranger une fois ailleurs. Elle était de cette église, elle est partie dans un programme il y a longtemps. Elle n'est plus ici, sans me prévenir. Ceux qui aiment les miracles, ils sont à bas shalom. Non, ça ne se passe pas vite. Ça ne se passe pas vite. Ma vie n'a pas encore changé. On m'a parlé d'un puissant homme de Dieu. C'est Dieu qui est puissant, pas un homme. Elle est partie faire ce programme. Après, elle est venue avec une fruit bizarre. Elle commence maintenant à prophétiser, à parler en langue des trucs bizarres. Il y a une voix qui commençait à lui parler. Et je lui ai dit, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Et la voix lui disait des choses tellement contraires à la parole de Dieu. Il dit, mais tu allais faire quoi là-bas? Faites attention. Vous connaissez, oh ma copine, il y a un homme de Dieu. Oh mon ami, attention. Si c'est d'aller dans un programme où il y a les miracles qui t'intéressent, mon frère, ma soeur, tu es en train de te mettre en danger. Allez-y, là où on va prêcher Jésus. Et notre Jésus fait des miracles. Il y a d'autres qui ont sollicité des esprits des eaux. Ce pasteur nigérien qui a rendu témoignage, qui est mort. Parce que son église était à 100 membres. 100 membres, à peine 50 membres, je crois. Il a rendu le témoignage lui-même. Il a écrit 50 membres. Il s'est plaint. Il a vu son ami qui venait à peine de commencer. Direct, près de 500 à 1000 membres. Il a dit, mais comme on a dit, quand tu vois quelqu'un réussir, il ne faut pas le jalouser. Il faut aller demander son secret. Ça, ce n'est pas biblique. Parce que le secret de réussite de tout le monde ne glorifie pas Dieu. Ça, je ne sais pas dire. Ça, c'est une pensée des gens du développement personnel. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Il faut aller, si Dieu te confirme que le chemin est vraiment de lui. Et c'est comme ça qu'il allait voir son ami. Son ami dit, mais je t'envoie quelque part. Et quand ils arrivent, ils voient des sirènes sortir de l'eau et vous fallait coucher avec elles. Et quand il a couché avec les sirènes, son ministère a pris de l'ampleur. Il est devenu très riche. C'est un homme de Dieu nigérien. Il y a même son nom sur Internet. Et quand ça a commencé à aller, parce que le diable, c'est un menteur. Il ne respecte jamais les clauses du contrat. Satan ne respecte jamais les clauses du contrat. Dans son contrat, il y a toutes des petites écritures que tu n'as pas lues. Ceux qui vont toujours faire pacte avec le diable là, ils se sont piégés. Parce qu'il est menteur, il n'est pas loyal. C'est pas quelqu'un qui dit quelque chose puis sa main l'accomplit. Quand lui l'a dit là, il peut faire autre chose. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé piégé. Il fallait maintenant coucher des vierges, combien de vierges chaque mois ou chaque quoi. Mais tu as trouvé les vierges aujourd'hui là, où? Notre saison là. Déjà à 15 ans, la fille a un boulevard. Tu as trouvé vieille joue. Voilà, mais coincé. Et là, Dieu écrit ça avant. Il est mort par accident. Des feux étrangers. La dimension du miraculeux, j'y crois. Dieu fait des miracles encore, Jésus. Mais la dimension de l'onction du miraculeux a un prix. La consécration. Si tu cherches Dieu là où il se trouve, tu ressortiras revêtu de puissance. Mais c'est le prix que beaucoup ne peuvent pas payer. De rester enfermé pendant des jours, des heures, en train de chercher la face de Dieu. En train de prier. Ils ne veulent pas. Ils veulent vite. Lire sa parole. Se sanctifier, se purifier. Ne pas s'encombrer des choses de la terre. C'est de là que le miraculeux sort. Vous ne verrez pas une personne dans une dimension de miraculeux qui a une vie lambda. Non, on voit très peu ces personnes. Ils sont dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est un prix. C'est le prix aussi du brisement. Parce que Dieu n'utilise pas l'orgueilleux pour le miracle. Dieu n'utilise pas l'impudique pour le miracle. Moi, j'ai des personnes impudiques, mais qui font des miracles. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. La parole de Dieu nous dit en Marc 13, 22, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible.
on va dire, ils vont faire des prodiges, des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Vous savez la pensée que j'ai reçue pendant mon temps de recherche par rapport à cet enseignement. Dieu a dit, les élus ne sont pas impressionnés par les miracles des faux prophètes. Les élus ne sont pas impressionnés même par les miracles. Les élus sont impressionnés par Jésus. Quand ils voient Jésus en un homme de Dieu, ils sont impressionnés. Mais ce sont les appelés là. Vous les appelez là, bon, pas vous. Qui sont friands de tout ça. Un appelé, lui, il aime tout ce qui est miraculeux. Il aime tout ce qui est spectacle. Un élu, il met ton miracle de côté. Peu importe le niveau de même si tu as réveillé mort. Moi, je te réveille mort devant moi, tu ne vas pas m'impressionner. J'ai cherché à voir si tu as Jésus. C'est le monde qui est impressionné par les miracles. Mais les élus ne sont pas impressionnés par les miracles. C'est pour ça que fais attention. Ta position de lui là, ça se sent aussi par le sens de saut. Impressionné par les hommes de Dieu, impressionné par le miracle. Les élus ne sont pas impressionnés par la chair et le sang. Les élus ne sont pas impressionnés par les prouesses des hommes de Dieu. Ils sont impressionnés par Jésus. Et Jésus, c'est l'humilité, la simplicité, l'amour. Alléluia. C'est le fruit de l'esprit, le caractère de Christ. Moi, je suis impressionné par les hommes. Je vous assure, quand je vois un homme devant moi, j'ai envie de m'abaisser pour dire vraiment, donne-moi ça. Mais les hommes sont de plus en plus rares. Je crois au miracle et je crois que Christ est puissant encore aujourd'hui. Alléluia. Mais le vrai miracle nous conduit vers la transformation véritable. Nous conduit à la repentance et à la consécration. 6. Les accoutrements et les apparences impressionnantes. Ça fait partie des outils des faux prophètes. Accoutrements et les apparences impressionnantes. Marc 12, 38 nous dit, il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment se promener en robe longue, donc apparence, à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves. Or que nous savons que la parole de Dieu veut pas, Dieu n'aime pas qu'on touche aux veuves. Mais combien de veuves se sont fait coucher, abuser, exploiter par les faux prophètes. C'est-à-dire, fais tes bêtises, mais évite les veuves, les orphelins et les étrangers. Quand quelqu'un n'est pas dans son pays, fais attention. Parce que Dieu protège aussi les étrangers. Qui font pour l'apparence de longues prières et seront jugés plus sévèrement. Les faux prophètes ont compris que l'habit fait parfois le moine. Ah, je vous dis, hein, l'habit fait parfois le moine. Si tu veux enlever 1 million dans une maman qui a l'argent, il ne faut pas t'habiller n'importe comment. Ah oui? Si tu veux prêcher un message devant des foules, on t'invite dans un programme où tu veux qu'on te réinvite encore, il ne faut pas t'habiller n'importe comment. Si tu viens en basket, en pantalon, jean et une chemise simple, un t-shirt simple pour dire que tu vas prêcher, ils vont te regarder quand il a quoi à nous dire. Ils savent que la fausseté dans le domaine de prophétique a un vêtement aussi qui doit, a un accoutrement qu'il faut mettre. Pour mieux manipuler, ils soignent leur apparence. Pour mieux manipuler, pour mieux impressionner, pour mieux dominer, leur apparence est importante. C'est un outil très important. Ils sont très portés sur leur apparence, très portés sur ce qu'ils présentent. Très porté que quand on le voit, on doit savoir tout de suite qu'ils sont hommes de Dieu. Vous avez remarqué que moi, je ne porte pas les cols blanches. J'ai fait quoi avec? Celui qui m'a appelé sait que je suis pasteur. Alléluia. Il sait que je suis pasteur. Il a dit d'aspirer à la charge, non pas au titre. Tu as mis la colle là, pourquoi? Si ce n'est pas déjà d'impressionner les gens. Parce que Dieu ne nous demande pas de soigner notre apparence pour ressembler à Dieu. Il veut, il dit que c'est l'intérieur qui doit être nettoyé. Pas l'extérieur. Colle blanche, absolument. Je ne juge pas ceux qui le font. Mais ça ne sert à rien de le faire. Alléluia. Ils misent sur leur apparence, une apparence soignée. Aujourd'hui, il y a une tendance qui est en train de prendre le temps. Les toges. Avec des trucs comme ça, des papes. C'est en train de prendre beaucoup de place. Les chapeaux, les cols blancs, les cannes, le bling, l'accoutrement impressionnant, les tenues de couturier. Cher. La chaussure même de l'homme de Dieu peut nourrir toute l'église. Parce qu'il faut impressionner. Ils se disent que si je ne montre pas que j'ai l'argent,
ils ne peuvent pas venir suivre mon Dieu parce qu'ils doivent comprendre comment Dieu peut leur donner de l'argent. Mais tu es en train de traîner derrière toi un peuple cupide avec un pasteur cupide. Alléluia. Et les gens ne restent pas dans les églises où ils ne voient pas la gloire de Dieu dans la vie du pasteur. Les vraies églises authentiques, c'est là même quand le pasteur souffle là, c'est les vraies églises authentiques. Là, vous avez affaire à un vrai homme de Dieu. Parce que associé à la marche de Christ, la souffrance y est. Regardez les apôtres. Regardez même Jésus lui-même. On va maintenant dire non, Jésus était déjà bling. Sa robe n'avait qu'une seule couture. Ah, vous les chrétiens. Je vous ai dit que Judas a dû l'embrasser parce que s'il n'avait pas embrassé, on n'aurait pas su qui était Jésus. Parce qu'il ressemblait à tous les autres avec lesquels il marchait. On ne pouvait pas le distinguer. Mais je vous assure, de nos jours, si un homme de Dieu est quelque part, on sait qu'il est là. On sait que c'est un homme de Dieu. Alléluia. Moi, je collabore avec des gens dans le domaine professionnel. On peut travailler. Ils ne savent jamais que je suis pasteur. Je ne dis jamais. Mais il y a des valeurs chrétiennes que je sors. Et c'est ça qui fait que je peux avoir des clients depuis des années. Ils savent que celui-là avec lui, on ne peut pas parler de nos bêtises, on ne peut pas parler de ci, on ne peut pas faire ça. Toutes ces valeurs-là sont là. Mais je ne vais pas déçu pasteur. Même quand je discute avec eux, je ne mets pas mon pasteur devant. C'est un jour, je t'en dis, mais tu es pasteur. Mais toi-même, tu n'as même pas besoin de parler. Comment tu es habillé là, mais on sait que tu es homme de Dieu. L'accoutrement. Regardez les habits. Ce n'est pas droit. On coupe comme ça en pique. On coupe là en pique. On coupe. Le bouton n'est pas droit. C'est comme ça. Pourquoi? Les tissus, tu n'as jamais vu des tissus comme ça. La chaussure, la montre. Et quand ils prennent les photos sur les affiches, il faut que la montre soit visible. Et que l'infographiste mette une brillance dessus. Qui veut le glorifier? Et le pire aujourd'hui, c'est que beaucoup se décapent. Tu vois le teint brûlé par le produit, mais l'homme de Dieu ne laisse pas. Il ne laisse pas. Parce qu'il faut qu'il brille. Son apparence doit être bling. Quand ils ont fini de décaper, là, ils frisent les cheveux et mettent à côté. Pourquoi tout ça? Parce que c'est ce qui impressionne. Et ce qui est dans leur apparence, il y a une autre nouvelle tendance qui arrive. C'est les bagues et les chevalières. Je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi. Ou bien c'est moi qui rate quelque chose. Dites-moi où on achète, vous que j'achète aussi. Peut-être que, je ne sais pas. D'un coup comme ça, les choses qu'on n'entendait pas avant, qu'on ne voyait jamais. Alors, pour moi, je me suis converti en 2000. Jamais je n'ai vu un homme de Dieu porter une bague en plus que sa bague de mariage. Mais je ne comprends pas d'où viennent les chevaliers qu'ils mettent et que presque tous commencent à voir. Et quand tu les vois dans le ministère, commence à poser, monter, bam, sur la photo bague chevalier direct. C'est venu d'où? C'est pas quand même une coïncidence. Bague chevalier, le mouchoir. Est-ce que vous savez qu'il y a des mouchoirs magnétisés? Ah. On pense à mettre sur ton visage, tu tombes, tu te dis, Dieu est en train de me visiter. Dieu ne te visite pas. Oh. Ils ont mis un démon dedans. Ça te coûte quoi de mettre, comme j'ai ici, un bloc de mouchoir jetable? Ça fait quoi? Puis je trouve que ce n'est pas hygiénique. Je ne juge pas tout le monde. Je n'ai pas dit que si tu as le mouchoir, tu es un faux homme de Dieu. Mais il y a certains qui utilisent ces mouchoirs-là pour faire la magie. Les chaînettes, les broches, les pins, toutes ces choses-là pour avoir une apparence et solliciter des vœux étrangers. Parce que le monde regarde à l'apparence. C'est pour ça qu'ils ont besoin que leur apparence corresponde à ce qu'il faut pour manipuler. Un véritable enfant de Dieu n'est pas impressionné par l'apparence de quiconque, de qui que ce soit plutôt. Tu regardes comment, tu ne peux pas m'impressionner. Vous devez comprendre que ce sont des humains qu'on a poussés dans une maternité.
et qu'on les a sortis du ventre aussi comme vous. Ne faites pas de des hommes simples Dieu. On a dit homme de Dieu, on n'a pas dit Dieu. Il y a une grosse différence. Une énorme différence. N'écoutez jamais le message d'un homme de Dieu qui porte une bague, mon chevalier. Même si tu ne l'écoutes jamais. Je ne le juge pas, mais je vous dis clairement, n'écoutez jamais. Cette personne est dans quelque chose de pas clair. N'écoutez jamais. Dès que vous voyez ça, arrêtez d'écouter. N'écoutez jamais. Faites très attention. Les gens qui sont dans la loge dans le monde, ils portent ça presque tous obligatoirement. Nous avons tous des familles, dans nos familles, on a des gars, des papas ou des parents. Ils portent presque tous ça. Je me rappelle qu'il y avait un monsieur que je connaissais qui avait été promu ici. Je crois qu'au rang de DG ou de quoi. Je ne donne pas trop de pression pour ne pas qu'ils se reconnaissent. Et il m'a appelé, il savait que j'étais infographiste. Il m'a appelé, il dit, je veux faire ma chevalière. Il m'a envoyé plein de modèles. Et apparemment, on lui a dit que je suis pasteur. Après, il ne m'a plus écrit. Il ne m'a plus écrit. Et c'est comme si, pour prendre ce poste-là, il faut qu'il rentre dans quelque chose. Et pour rentrer dans cette chose, il faut qu'il ait quand même un signe. C'est vous qui avez honte de vos Jésus. Mais les gens des ténèbres n'ont pas honte. C'est pour ça qu'ils affichent la bague là. Il faut être vraiment aveugle pour ne pas comprendre qu'il y a quelque chose de louche dedans. Il faut vraiment être aveugle et naïf pour ne pas réaliser que c'est démoniaque. Et que ce n'est pas une bague de beauté. C'est une bague de consécration, d'appartenance à quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des loges d'hommes de Dieu? Est-ce que vous savez ça? J'étais loge des femmes de Dieu. C'est une personne sûre dans cette nation-là qui me l'a dit. Amen. Faites très attention. N'écoutez jamais le message d'un homme de Dieu qui porte une chevalière. La septième, qui est la dernière, pour terminer. Un des outils qu'ils utilisent pour dominer, exploiter, détruire le peuple de Dieu, c'est la doctrine ne touche pas au oint de Dieu ou le message de la loyauté envers les leaders. La doctrine ne touchait pas au oint de Dieu ou le message de la loyauté aux leaders. Parfois, pour défendre leur pasteur impudique, voleur, malhonnête, on voit des personnes, même sur YouTube, ne touche pas à mon oint ou ne touche pas à mon papa. Mais c'est normal qu'ils disent ça parce qu'ils ont été enseignés en fonction de cela. Ils ont reçu un message en fonction de cela. Les messages de la loyauté enseignés d'une manière à tuer sont enseignés d'une manière à tuer l'esprit critique des chrétiens au sujet des pratiques de leur guide. On enseigne pour que les chrétiens ne critiquent plus rien, qu'ils valident oui et amen à chaque fois. Si quelqu'un dans cette église voit que le pasteur fait quelque chose en contradictoire avec la Bible, pardon, viens me dire. Viens me dire. On enseigne pour ne pas que. On dit, mais passe, c'est pas normal. Non. On tue l'esprit critique. Si on a tué ton esprit critique, on va tuer ta foi. Parce qu'on est dans un monde tellement de confusion qu'on doit juger de tout. La parole de Dieu nous dit à 1 Corinthiens 5:12. Qu'ai-je en effet à faire à juger ceux du dehors? Dieu ne nous appelle pas à juger les païens. Il ne faut pas t'occuper d'eux. Ils font ce qu'ils veulent, ce n'est pas votre problème. Mais n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Dieu nous encourage à juger ceux de la maison. Même les hommes de Dieu. Au verset 13, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Et puis après, il dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Pourquoi il veut dire ça? Il dit, jugez ceux du dedans pour que ceux qui le glorifient à Dieu, sortez-le du milieu de vous. Si vous ne jugez pas les gens du dedans, vous allez marcher avec des personnes qui sont méchantes, qui sont mauvaises, des loups qui vont détruire de l'intérieur. On doit juger. Bien sûr, avec un esprit d'humilité, d'amour, pas un esprit malveillant ou malsain, ou pas pour dénigrer ou détruire les gens. Mais on doit dire, mais ça, c'est pas biblique, ça, c'est pas normal. Le pasteur vous fait donner beaucoup d'argent pour la construction d'un temple, mais le temple n'est jamais construit. Et vous ne parlez pas.
et vous ne parlez pas. Et vous êtes encore là. Non, il doit nous expliquer. Mais tellement beaucoup se sont positionnés en gourou. Le gourou, c'est quelqu'un qu'on ne juge pas, qu'on ne critique pas, qu'on ne contredit pas. C'est ça le gourou. Tout ce qu'il dit, c'est oui et amen. C'est ça le gourou. Aujourd'hui, à la place des hommes de Dieu, nous n'avons que des gourous. Nous avons beaucoup de gourous. Parce qu'on ne les critique pas. C'est-à-dire que si tu as osé juger, ils vont dire que tu as méprisé leur onction. Ah, l'onction là, c'est pour toi. Rien qu'en les appelant sans leur titre, ou en s'autorisant sur leur titre, tu as méprisé leur onction. Si tu viens leur dire, ah, passe, sincèrement, ce que tu as fait aujourd'hui là, là, moi je ne suis pas d'accord. La parole de Dieu. Moi je permets, on ouvre la Bible. Si tu viens, on ouvre la Bible, on discute ensemble. Ah, je peux me tromper. L'erreur est humaine. Tant que tu as le sang et la chair en toi, tu peux faire des erreurs. Mais si ton peuple te suit seulement, te suit, mais il va t'amener où? À la destruction. Mais il donne des messages sur la loyauté qui sont mal enseignés. Sur, comment on appelle ça? Ne pas juger un homme de Dieu. Qui sont mal enseignés, qui poussent les hommes de Dieu à se perdre. Dieu va te redemander le slam de ton pasteur. Parce que tu as vu des choses et tu sais que cela n'est pas bien devant Dieu. Et tu n'as rien dit. Aujourd'hui, tu peux t'asseoir, critiquer une soeur de l'église ou un frère de l'église. 10 heures, il n'y a pas de problème. Dès que tu dis, ah mon frère, mais ce que le pasteur fait aujourd'hui là, vraiment, hein? Eh mon frère, je n'ai pas la malédiction, oh, je n'ai pas la malédiction, il faut partir. C'est quoi? C'est un Dieu que tu as parlé ou quoi? Je ne suis pas à toi de dire pourquoi vous avez du mépris pour les hommes de Dieu. Je ne vous encourage pas à critiquer inutilement un homme de Dieu. Mais c'est important qu'on ait un esprit critique ouvert. Dieu ne t'a pas créé avec un cerveau pour que tu le jettes quand tu es chrétien. Parce que les gens les plus abrutis aujourd'hui, c'est les chrétiens. Je ne vous insulte pas, mais c'est vrai. Dieu autorise qu'on juge les gens de la maison. Dieu autorise. Si ta soeur venait avec un jupe trop courte ou bien de côté trop ouvert, tu dirais, ah ma soeur, toi aussi. Mais si tu vois un païen porter ça, tu allais lui dire ça pourquoi? Il n'est pas converti. Si tu vois une fille qui n'a pas Jésus, tu allais lui dire, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Donne-lui d'abord l'évangile et puis l'évangile va la changer. Mais ne va pas la juger pour rien. Parce qu'elle n'est pas convertie, donc on ne comprend pas ce que tu dis. Et tu peux blesser et attrister la personne pour rien. Parce qu'il y a des chrétiens zélés là qui vont juger tous les païens. Amen. Mais dans la maison, nous devons juger. Bien sûr, avec amour, avec humilité et simplicité. Nous ne devons pas avaler les dérapages de nos leaders. Soit disant qu'on ne doit pas toucher au oint. Le pauvre message de David et cette histoire de David et de Saül. On a pris ça maintenant pour faire autre message. Alors, je ne veux pas toucher au oint de Dieu. Amen. Mais s'il ne voulait pas, ce que David a fait, c'était déjà grave pour Saül. S'il voulait s'aligner à loin de Dieu, il aurait fait tout ce que Saül voulait. Mais ce n'est pas ce qu'il a voulu faire. Dieu l'avait oint pour prendre sa place. Mais sauf que si on doit corriger un homme de Dieu, ce n'est pas à toi de le faire. C'est ce qu'il voulait dire. Si on doit corriger un homme de Dieu, ce n'est pas à toi de le faire. Ce n'est pas à toi de le souhaiter. Ce n'était pas à lui de tuer Saül. C'était à Dieu de s'en occuper. Mais ce que Saül faisait, ce n'était pas bon. Il était conscient de ça. Amen. Non seulement nous devons examiner tout ce qu'on nous enseigne dans la maison de Dieu. Nous devons nous rassurer que c'est en face. Même ce que je vous enseigne, allez-y vérifier. On doit examiner tout au regard de la parole de Dieu. Afin de ne point nous détourner du véritable Dieu. Car nous ne pourrons pas accuser un homme de Dieu si nous partons en enfer. On doit tout juger. Nous devons aussi user de notre libre arbitre. Dieu nous a donné la liberté de choisir. Et tu dois user de ça. De notre intelligence et de notre esprit critique pour nous soustraire de tout ce qui n'est pas de Dieu. Si loin de Dieu fait des choses bizarres, tu ne peux pas. Regarde la sœur. On l'a tellement conditionné par ce message que le pasteur la drague, mais elle ne peut pas parler à quelqu'un.
Elle peut même pas dire à une soeur de l'église, ah ma soeur, le pasteur là m'a dragué. Parce que, oh, moi je veux pas la malédiction, moi je veux pas la malédiction. Toi, tu es une menteuse, dis que tu as cherché à séduire le pasteur. Et puis elle se fait coucher. Elle est déprimée, elle est blessée. Elle souffre parce qu'elle ne peut pas, elle n'a pas d'oreille pour écouter cela. Le pasteur va lui demander une action. Que l'argent que tu as reçu, Dieu m'a dit de me donner tout l'argent. Et comme ça, qu'il va te lever. Oh, je ne peux pas contredire l'homme de Dieu. Il a reçu, c'est de Dieu. Non. Tu dis clairement, homme de Dieu, je vais prier. Si Dieu me. La sagesse, c'est pas. Il ne faut pas dire, oh, je n'ai pas reçu ça de Dieu, homme de Dieu. Ça, c'est faux. Non. Respectez quand même les hommes de Dieu. D'accord? Seigneur, homme de Dieu, je vais prier. Ce que Dieu va me dire, je viendrai vers vous. Tu t'en vas, tu peux dire, ah, homme de Dieu, sincèrement, j'ai prié. Dieu ne m'a pas donné cette conviction. C'est tout. Quand tu as commencé à le parler, quand il va te voir maintenant mauvais dans l'église, il est un faux homme de Dieu. Alléluia. Un homme de Dieu doit toujours parler en disant aux gens, ah, voilà ce que je ressens, mais que Dieu te l'atteste. Voilà ce que je reçois, que Dieu te l'atteste. Il doit laisser toujours la liberté aux gens de faire le choix qu'ils veulent. Parce que le salut, il n'est pas forcé. La bénédiction, on n'est pas forcé. On ne force personne en rien. Nous sommes libres en Jésus. Nous ne pouvons pas venir qu'on nous mette sous le joug des hommes de Dieu. Alléluia. Donc, le message de la loyauté est un bon message. D'être loyal envers tous ceux que Dieu utilise pour vos vies. Tout. Je n'ai pas dit que les hommes de Dieu. Tout ce que Dieu utilise pour vos vies. Si quelqu'un veut salir une personne qui a été une bénédiction pour vous, une source de bénédiction pour vous, ne rentre pas dedans. Même si vous êtes fâché contre cette personne, ne rentrez pas dedans. D'accord? Normalement, nos critiques doivent se trouver en prière et non pas en jugement du genre condamnation. Passez à juger puis à condamner. D'accord? Pas en condamnation. Mais si vous sentez que celui qui est devant vous est en train vraiment de se détourner, alors ne restez pas pour dire je ne peux pas juger. Parlez. Approchez la personne et dites à votre pasteur, ça c'est pas bon. À plusieurs reprises, dans l'église, il y a des frères ou des sœurs qui m'ont déjà approché pour des choses. Deux fois ils ont raison, deux fois non. Alléluia. Parce que personne n'est parfait. Alléluia. Pour conclure, nous devons comprendre une chose. Nous devons comprendre qu'il y a une doctrine qui doit prendre la place dans l'église du Seigneur. On appelle ça la doctrine de Christ. La doctrine de Christ impose plus Jésus à nos vies qu'autre chose. Et nous prépare pour le retour du Seigneur. Alléluia. Nous devons vraiment nous concentrer là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans l'église qui n'ont rien à voir avec la Bible. Qui n'ont rien à voir avec la parole. Qui sont seulement des systèmes. C'est un système pour permettre à des personnes qui ne connaissent même pas l'école, qui ne sont pas allés très loin dans les études, de devenir aujourd'hui, du jour au lendemain, des milliardaires. Faites attention. Alléluia. Parce que s'ils devenaient des milliardaires et puis on était sauvés après, c'était une bonne chose quand même. Mais ils devenaient des milliardaires en détournant le peuple de Dieu. Et ça, c'est grave. Alléluia. Jésus revient bientôt. Préparons-nous à son retour. Alléluia. Nous allons prier. Ta gloire est là. Ta main me touche, ta main me touche, ta main me touche, ta présence est là, ta main me touche, ta main me touche, ta main me touche, parle à ton Dieu, ta gloire est là. Ta main me touche, ta main me touche, elle nous touche. Parle à ton Dieu, ta gloire est là. Ta Nous allons prier vraiment que Dieu aiguise notre discernement. Tu vas prier pour ça, qu'il aiguise notre discernement.
discernement. Mais vous savez, le discernement s'aiguise lorsque, un, on aime la vérité et lorsque on met le nez dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu aiguise notre discernement dans ces temps de la fin où tout est confusion, où tout est mélange. Que Dieu aiguise notre discernement, qu'il ouvre nos yeux spirituels afin que nous voyons les choses comme lui les voit. Prions pour cela. Prions pour l'esprit de discernement. Pour avoir les yeux de Dieu. Donne-moi le discernement. Parle à ton Dieu, qu'il aiguise son discernement, qu'il te donne ses yeux, afin que tu vois toutes les choses telles qu'elles sont. Ton onction est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton esprit est là. Ta main nous touche. Elle nous touche. Prions pour les yeux du Seigneur, qu'on ait les regards du Seigneur sur toutes choses. Qu'aucun faux prophète, aucune atmosphère, aucun feu étranger ne nous détourne de voix du Seigneur. Prions que Dieu nous donne le discernement de l'esprit, le discernement des esprits. Ta gloire est là, ta gloire est là, ta main nous touche, elle nous touche, elle nous touche, elle nous touche, elle nous touche, ton esprit est là. Merci Seigneur pour ta parole libérée, vraiment qu'elle puisse continuer à voyager, toucher davantage de cœur et faire tomber des écailles des yeux de tes enfants au nom de Jésus. Et qu'elle ramène ton église à toi, ô Dieu de grâce, et qu'elle permette à ce que les écailles tombent des yeux de tes enfants et qu'ils voient les choses exactement comme toi tu les vois, dans le nom précieux de Jésus. Merci encore pour ta présence. Amen.